Rejoignez Suzo et Tianet, le couple prophétique Ferdinand et Shalom et Canet pour la prière. Seigneur, Lord, toute personne dans ma vie, everyone in my life, qui a fait de moi son marchepied, that made me be with all that said, livre-le-moi, betray him to me, qu'il devienne mon marchepied, may he become my understep, au nom de Jésus, in the name of Jesus. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Are you agree? Qui est d'accord? Who is agreeing? Est-ce que vous comprenez bien la prière ici? Do you even understand? Toute personne qui dans sa haine aveugle contre toi et allait te saboter à gauche, à droite, et en train de travailler d'arrache-pied pour que tu meurs avant le temps, qui veut que toi et tes enfants, vous ne soyez jamais rien, que vous mouriez dans la pauvreté, que ton ministère ne grandisse jamais, qui souhaite que ton église se vide complètement, cette personne doit être confuse. Lève ta main, dis mon Père et mon Jésus. Toute personne dans ma vie qui a fait de moi sa risée, son marche-pied, et qui lutte jour et nuit pour que je sois détruit, pour que je meure malheureux, pour que je meure avant le temps. Seigneur, que la confusion retourne sur cette personne. Ouvre la bouche et prie comme tu n'as jamais prié. Comme tu n'as jamais prié. Pray as you never pray. Ejero milomla agujeri. Ejera memora ina umina ulemlo sira. Ejevaramlo. Sura mi molem ak suruk mi jibini more valo sufiri mi eje farula hey sabota medash sabota medash palaka wa ines mali tau dalofla sobrami dalafla mirabana usukrem Zoma inna hello mi daudali fili alloita ensrai. Lokra mi dalos pravedes taudali mornau. Lokrem samin. Wa inna lokrem samitate wa inas promidafora. Somari taudali vora mi dalos mansarai. Toute personne qui veut te renverser, prie que Dieu la renverse. Toute personne qui veut t'enterrer, que mon Dieu l'enterre. Toute personne qui veut que tu meurs, qu'elle meure avant toi. Que celui qui te bénisse soit béni. Celui qui te maudit soit maudit. Que leur plan retourne sur eux-mêmes. C'est toute personne qui va enterrer ma destinée. Toute personne qui va enterrer la destinée d'un membre de nos familles. Dès qu'il soit enterré ce soir au nom de Jésus. Qui sont enterrés ce soir au nom puissant de Jésus. C'est toute personne qui va enterrer notre destinée. Mais qui soit enterré ce soir. 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 Et Jérôme Lumla Agogera Mère. Et Jéphore Mimorai. Ayo melo le Eje barola Usoro mi mora inaro Sopre mi mora i vedaro Eje faro Eje farola Usoro mi mora votem Usoro mi E jevara me malagevo e divinimo e divinimo e jevarumla su
rami morevo de la ro gurumi munra ifilimi itini magasher Vai! Batunia pela mesa morre. Samaita utales. Plafi in Hagadan wa in Nesta. Samaromida utalo meras. Au nom de Jésus-Christ, on a prié. Amen. Dans le nom de Jésus, on a prié. Amen. Donnez à main comme une vaillante armée. Amen. Voici la prière que Dieu m'a apportée par son ange. Il y a des sujets de prière qui viennent du ciel. Parce que c'est des sujets adéquats. Yes. C'est des problèmes que tu as que Dieu veut résoudre. Mm. Pendant qu'on priait, j'ai eu une vision. Dans la vision, j'ai vu quelqu'un caché dans les hautes herbes. Et cette personne tendait un piège sur ton chemin et sur mon chemin. Was putting a trap on your way and on my way. Et Dieu m'a dit compris. And God told contre me, ceux that let us qui nous tendaient des pièges. Against those that que celui qui te tend un piège, may the one that puts que ce soit trap, dans la vie physique, may he be in a physical dans ton lieu life, de travail, may he be in dans a ton ministère, may he be in ou dans le spirituel, or in the spiritual, que lui-même tombe dans son propre piège. Amen. La Bible dit ceci. The Bible says il ordonnera à ses anges et ils te porteront sur leurs ailes de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. La pierre que tes ennemis ont mise comme un piège pour que tu cognes et que tu tombes et que les gens se moquent de toi et que ta nudité soit exposée. Qu'ils se heurtent eux-mêmes contre leur propre pierre. Lève ta main. Dis mon Père, mon Jésus. Toute personne dans ma vie, sur le plan physique, comme spirituel, dans ma carrière, dans mon ministère, dans ma famille, dans mon lieu de service, qui me tend des pièges, le matin, qu'on le retrouve dans son propre piège, ouvre la bouche et retourne à l'expéditeur. Toute personne cachée dans les ténèbres. Toute personne cachée dans les hautes herbes. Seigneur, qui tend les pièges à ma vie. Qui tend les pièges à ma destinée. Qui me tend des pièges dans mon lieu de service. Qui me tend des pièges dans mon ministère. Seigneur, toute personne cachée. Toute personne près de moi. Toute personne près de ma famille. Toute personne près de ma vie. Père, qui tend les pièges à ma destinée. Qui tend des pièges à ma destinée. Père, que ce matin. Dix rochers où vous avez été tiré. Un jour Jésus reviendra pour chercher ses élus. Où vous avez été tiré. Un jour Jésus reviendra pour chercher son épouse.
et je vais ramener ma loi à Tsurugme. Je venis ma loi, ça ramène mon rêve pour faire ami mon rêve. Seigneur, ne permets pas que je tombe dans les pièges de mes ennemis. Seigneur, qu'eux-mêmes soient renversés et tombent à la renverse dans leur propre piège. Ne permets pas que ton peuple tombe dans les pièges de son ennemi. Garde-nous des pièges de nos ennemis, Jésus. Seigneur, n'admets pas qu'ils se réjouissent à notre sujet. Père, je prie pour tous mes enfants, tous nos enfants dans le monde entier, devant qui le diable a tendu des pièges, devant qui des ennemis ont tendu des pièges. Père, ne permets pas qu'ils tombent dans ces pièges. Dieu te garde des pièges de tes ennemis. Ton ennemi retournera à la renverse dans son propre piège. Au nom de Jésus-Christ, on a prié. Dans le nom précieux de Jésus, on a prié. Au nom de Jésus-Christ, on a prié. Regardez. Nous allons prier cette prière. We are going to pray this prayer. Regardez, vous voyez. You see? Si par exemple, il y a une voiture. Example, there is a car. Et que la voiture, si car, on coupe un fil. We cut a cable. Supposons le fil à frein. Let's say the braking. Le câble de frein. The braking. Et que vous rouliez avec la voiture. And that you drive. Sur une descente, vous aurez un accident mortel. On the... C'est ça, n'est-ce pas? Parce qu'il y a eu quelqu'un qui est intervenu à votre insu. Toute semence qui a été semée dans ma vie à mon insu, je la vomis. Elle sort de ma vie. Est-ce que les gens comprennent? Toute situation que tu vis, qui a été injectée dans ta vie à ton insu, toi tu penses que c'est Dieu. Pourtant ce n'est pas Dieu. Que Dieu te sorte de toute situation dans laquelle tu te retrouves et que Dieu ne t'a pas mis lui-même dans cette situation. Dis mon Père et mon Jésus. Mon Père et mon Jésus. Toute situation dans ma vie. Toute situation dans ma vie. Dans ma famille. Dans ma famille. Dans ma carrière. Dans ma carrière. Dans mon ministère. Dans mon ministère. Dans mes affaires. Dans mes affaires. Dans mes études. Dans mes études. Dans mes projets. Dans mes projets. Dans laquelle tu ne m'as pas mis. Dans laquelle tu ne m'as pas mis. Je sors de cette situation. 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 Toute situation dans ma vie. Toute situation dans ma vie. Créée par mes ennemis. Pour me rendre malheureux, je mets un terme à cette situation. Je sors de cette situation. Je sors de cette situation. Au nom de Jésus, mon sauveur, ouvre la bouche, proclame ta sortie de cette situation. Toute situation causée par la main de l'ennemi dans ma vie, je la vomis ce soir. Je la vomis ce soir. Je sors de cette situation. Ma vie sort de cette situation. Seigneur, toute situation dans ma vie qui est causée par la main de l'ennemi, qui est causée par la main de Satan, je sors. Mais je la vomis. Mais je la vomis. Je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Mon ministère sort. Ma famille sort. Ma vie sort. Ma femme sort. Ma famille sort. Toute situation maléfique, je sors. Ma maison sort. Mon ministère sort. Je sors. Mais toute situation causée par la main de l'ennemi, par la main d'un sorcier, je sors. Je sors. Je sors. Je sors, je sors, je sors, je la vomis. Seigneur, voici ma vie. Voici ma vie. Ma vie, ma vie. Jésus, voici ma vie. Je te donne ma vie. Ma vie, ma vie, je sors, Jésus, de toute situation malheureuse, toute situation que tu n'as pas créée dans ma vie, dans ma maison, dans mon ministère.
Seigneur, je sors de cette situation. Tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie, tout ce qui vit dans ma vie qui n'est pas de toi, qui ne tient pas de ta main, Seigneur, je sors. Seigneur, je sors. Seigneur, voici ma vie. Tu connais toute ma vie. Jésus, voici ma vie. Je te donne toute ma vie. Ma vie, ma vie. Samata merada wa inna solomita. Wa ginata wa inna bala mesali taudawa. Toute situation que tes ennemis ont créée dans ta vie, je te sors de cette situation. Toi qui me suis, quel que soit le moyen, sors de cette situation. Sors de cette situation. Sors de cette situation. Un ange puissant est libéré pour te sortir de cette situation. Sortir ta maison de cette situation. Sortir tes enfants de cette situation. Sortir ta femme de cette situation. Sortir ton mari de cette situation. Dans ta carrière, dans tes finances, dans ta vie spirituelle, dans ton ministère, dans tous les domaines de ta vie. Sors de cette situation. Au nom de Jésus, on a prié. Dans le nom de Jésus, on a prié. Tends la main ici à l'autel. Tends la main, tends la main. Tends la main, tends la main, tends la main. Tends la main, parce que Dieu vient de te sortir d'une situation mortelle. C'est ça que j'ai dit, que c'est un culte de délivrance. Toute situation dangereuse, tu viens de sortir, tu viens de sortir. Tu viens de sortir de cette situation. Ton enfant vient de sortir de cette situation. Même si c'était à l'hôpital, c'était une opération. Quelqu'un était dans le coma. Les anges sont en train de visiter nos maisons maintenant. Les anges visitent nos maisons maintenant. Si tu as un membre de ta famille qui est dans le coma, il sort de cette situation. Tu es le sort de cette situation. Tu as des soeurs, des cousines qui sont dans une situation de célibat démoniaque. Dieu vient de les sortir de cette situation. Et je vois des mariages célébrés dans ta famille. Je vois des mariages célébrés dans ta famille. Je vois des mariages célébrés dans ta famille. Avant la fin de cette année, joyeux mariage. Joyeux mariage. Joyeux mariage. Joyeux mariage. Rejoignez Suzo et Tianet, le couple prophétique Ferdinand et Shalom et Canet pour la prière.